Major, I'm on the roof of the dam. The Citadel's been overrun. I repeat, the Citadel's been overrun. The whole situation's foobar. No survivors. Hold on. No. Phase 3. There's no way. Leave. Encore. Et toujours. Encore et toujours. Enfin, il n'y a pas de sursis. Hein. Bon, là, il peut pas me choper du premier coup, là. En plus, il y a ces saloperies. Il y a ces cris à la... Ah oui, Son of the Beach, oui. Là, j'ai esquivé, je sais même pas comment. J'ai plus de balles. On va essayer de faire la même façon que lors du premier affrontement où j'avais réussi à le maîtriser. Oh là 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 là. Je sais pas si ce que je fais ça sert à quelque chose, mais... Évidemment... Vous pariez que les petits, là, ils reviennent à l'illimité ? Allez! Il y en a partout de ces saloperies là. Je tire à côté. Dites-moi que je l'ai eu. Dites-moi que je l'ai eu. J'aimerais beaucoup. Nice one, kid. You already put that shithawk in a fucking coma. Major! Are you? Major! That's hard to believe. I didn't think leave could get any nastier than he already was. Come on, we need to get out of here. The dam's gonna blow. Right, we better hurry. Ah, je me disais aussi. Hein, faut pas déconner, hein. Raven, go get out of here! I won't leave another man behind. Not like this. Motherfucker! Qu'est-ce qui se passe encore? Ça va être Sam? Not today, kid. Not ah non, Sandman, toujours. You've already risked your life far too many times. This time, only one of us is walking away from here alive. Oui, parce qu'il y a toujours Sam, hein. The truth is undeniable. Fortune favors the bold. Chapitre 5 fini. I accomplished my mission at the first light of dawn, and for once in my existence, the best plan was to not have a plan. Aiden! How in the hell did you... Where? Oh no. Sorry to disappoint you, kid. I guess the great Sandman ain't so great after all. But after all of the lives lost, at least I managed to save one. What's going on? By all rights, you should be dead. And you're not. Wait. Did that to you? That fucking guy!
Don't touch me! Stay away! Leave! He turned me into this freak! The antidote! I need it now! This? Give it to me now! Are you alright? Did it work? You bastard! You remember me? You mass-murdering piece of shit! I will never forgive you for taking her away from me! What? Who the hell are you? Drop your gun right now! You fucker! You killed her! Why? What did my baby ever do to you? Hey, whoa, calm down. Too many people have died already. Why don't you drop the weapon so we can talk about it? Whatever happened, it's over. It's over! No! It's not over! Not by a long shot! Not until this guy pays for what he did to her! Listen. I don't know you, sir. But you can trust me when I say the man who did all this is dead. The Major's a hero. He risked his life. He risked his life? Huh? For what? To murder tens of people? Including my wife? Huh? I was there, soldier boy. I saw what he did to her. My baby. Now, I suggest you get the fuck out of my way, or you can go to hell with them! I'm not gonna tell you again, sir. Drop your weapon, or I'm gonna shoot you where you stand. No matter what you think you saw. Stand down, Raven. What? Stand down. It's you, isn't it? Samuel. How do you know my name? Because I know more than what you think. But the only thing you really need to know is that I'm truly sorry. I never meant to hurt her. Not intentionally. Your wife, she was one of the few people I could really count on to. What's that supposed to mean, huh? Huh? Who are you people? He's the one who ripped my arm off and broke my neck, baby. While you just stood by and watched me die. No, that's not what happened. That's not how... That's not... She's dead! Sam, baby. Are we really gonna argue over semantics? Just look at yourself. You're nothing but a frightened lab rat. Shut up! That's all you are! Shut up! That's all you ever were! Shut the fuck up! Just shut your mouth! Samuel, I... Stop! Just don't say another goddamn word! These people know everything about you. Find it, they Samuel! They always used you for their advantage. No! They this isn't real! You She's been dead! Company property! Don't listen to Since her, Samuel! Since the moment you were born! Damn it! The voice isn't Sarah! Et voilà, c'est tout. Alors le troisième combat en plus, parce qu'il y a une troisième forme du coup, enfin une troisième forme, un troisième affrontement, je m'attendais à ce que ce soit méga dur. Et bien là c'était tout pourri, c'était tout facile. Après les deux transformations, enfin les deux combats précédents méga durs, on en a une troisième super facile. Oh, mais que c'était mauvais, Puis là, on n'a pas la conclusion du truc, on sait pas qui c'est qui est mort entre le Sandman et Samuel. On sait que Samuel était atteint du syndrome d'Emar, mais du coup, Raven, il est au milieu de tout ça. Donc, on n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin, je suis désolé, il n'y a pas de fin. Bon, ben, je m'attendais pas grand-chose de ce jeu-là, déjà, mais même en n'attendant pas grand-chose de ce jeu-là, je suis profondément déçu. Voilà. Déjà, le bestiaire, il est mauvais, il y a zombies, il y a... pseudo-tyrans, des puants et les immortels là, enfin les immortels ceux avec les grandes langues, qui sont pas mal ceux-là, mais voilà, les trois premiers ils sont immortels et ensuite on en bat à côté des hélicoptères, ils sont méga simples, et le dernier qu'on a eu, il était méga simple aussi sur l'héliport. Si je dois faire chapitre par chapitre, le chapitre 1,
Le chapitre 1 est mauvais avec Liv. Trop action, etc. À part dans le... À la limite, quand on passe à travers les habitations, par-ci, par-là. Mais bon, le pseudo Hunk Liv, nul. Chapitre 1, on va dire qu'il est mauvais. Chapitre 2, il est bien, il est très bon, mais c'est une pâle copie de l'hôpital, etc. On en retrouve exactement le même sur Resident Evil 3 Remake. C'est juste que là, l'hôpital est plus long, je pense. Donc, allez, on va dire que le chapitre 2 est bien. Pas d'originalité, mais il est bien. Le chapitre 3, dans les rues de Raccoon City, un peu la Resident Evil 3 Nemesis, je l'ai trouvé bien aussi. Voilà, parce qu'on a l'ambiance, on a les énigmes très bien, j'y reviendrai aussi. Mais le chapitre 3, franchement, il se laisse faire. Vraiment très bien. Avec les égouts, bon, manque d'originalité, mais il est bien. Chapitre 4, on reprend le chapitre 3 à l'envers. Donc bon, hein, même si c'est Samuel, etc., moins bon. On prend du neuf avec du vieux, vous faites le même truc que le chapitre 3, mais à l'envers, avec un petit peu moins de trucs en plus. Et le chapitre 5, on l'a vu, il y a 3 affrontements, c'est tout. Quelques zombies dans le labo, et nul. 2 affrontements complètement nazes. Le premier, il faut courir, parce que vous videz tous vos chargeurs, j'ai vidé tout mon magnum, tout mon pompe et tout mon pistolet, je prenais des chargeurs, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il faut juste courir et actionner le truc au bon moment quand il passe. Les bonbonnes ne servent à rien, c'est nul, on ne peut pas, en lui tirant dessus, le blesser pour l'immobiliser. Donc c'est nul. Deuxième affrontement avec les QTE, une catastrophe sans nom. Il suffit juste de faire le tour. En gros, il suffit. C'est une course tout fast tout furious en fait. Vous allez d'un point A à un point B, vous actionnez le levier, vous attendez qu'il revienne, vous l'évitez, vous repartez de l'autre sens, vous attendez qu'il repasse devant deux, trois bonbonnes, vous tirez. Une fois que l'ascenseur est revenu, vous passez à côté de lui et puis terminé. Sauf qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et il faut y arriver. Donc, franchement, le deuxième affrontement, je crois que c'est celui où j'ai le plus ragé, ça a été mauvais. Et le troisième où on s'attend à un combat exceptionnel. Voilà, j'ai vidé un chargeur de pompe, allez, un peu plus quand même, 3, dont 2 explosifs. Terminé, fin, hop, on remballe. Il n'y a pas, le chapitre 5, il n'y a pas de scénar, il n'y a rien. C'est vide. Et puis une fin, voilà. Donc vous avez chapitre 2 et 3 qui sont pas mauvais, dont le 2 et le et en plus qui sont pas très recherchés, mais on va dire que l'ambiance est... Et le jeu en lui-même, ça le fait bien. Chapitre 2 et 3, le 4 c'est une copie. Et le 1 et le 5 sont nuls. Voilà. Voilà ce qu'est Daymar. Bon. Je vous le cache pas, vous m'avez vu m'énerver, etc. Le jeu pour moi est mauvais. Je comprends pourquoi Capcom n'a pas validé cette copie. Cependant, il y a quand même 2-3 choses où ce jeu-là est meilleur. Les Resident Evil 3 Remake notamment, parce que le 2, on a beau dire qu'il a des défauts, mais il est quand même solide dans sa réalisation. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur ce démarre? Vous avez la musique, la bande-son est presque absente dans Resident Evil 2 et 3 Remake, et pour moi largement au-dessus. Vous avez vraiment des remixes des thèmes de Resident Evil 2 Remake, notamment la salle de sauvegarde, est vraiment excellent. Vous avez des thèmes et vous avez des ambiances sonores vraiment excellentes. Alors par contre, les effets sonores sont nuls, mais voilà, le principal de la musique, je les trouve meilleurs, totalement absentes de Resident Evil 2 et 3 Remake. Donc ça, c'est une chose. Les énigmes, franchement, elles sont pas faciles, mais elles ont au moins le mérite d'exister et de vous creuser les méninges. Donc les énigmes, pour moi, c'est un point très positif. Même s'il y en a qui sont tirés par les cheveux, franchement, je les ai trouvés très bonnes. Les nombreux clins d'œil, franchement, c'est presque plus respectueux de l'œuvre originale de Resident Evil 3 sur les rues, etc., que le remake. Et puis la durée de vie est supérieure dans le Démarre 98 que dans le Resident Evil 3 remake. Il y a quand même un moment donné où il y a un problème, quoi. Donc ça fait quand même pas mal de points positifs, mais alors c'est vraiment pollué par un scénario inexistant, des graphismes qui sont vraiment pas ouf, avec des visages à retravailler et puis des décors qui sont pas optimisés malgré l'Unreal Engine 4, c'est vraiment pas optimisé.
Vous avez un gameplay, mais vraiment mauvais. Mais alors, l'inventaire, j'ai jamais vu une purge pareille. Mais vraiment, l'inventaire. Vous avez le fusil à pompe qui se fait normalement. Pourquoi ne pas avoir fait tout le gameplay à l'image du fusil à pompe? Pourquoi vous mettez un chargeur à la fond et des recharges faites par l'inventaire sur le magnum et sur le pistolet alors que vous faites quelque chose de bien sur le fusil à pompe? Je comprends pas. Je comprends pas. Les PC d'échange d'objets sont, c'est une bonne idée, mais sont pas optimisés. Ce qu'on gagne avec les câbles que l'on programme, c'est pas ouf. On peut s'en passer. Ça met ça. Donc j'ai vu des ongles noirs, donc visiblement c'était la femme de Sam que l'on contrôlait en fin de compte. Ah, il y a peut-être une fin, une vraie fin. J'avance là? Ah oui, j'avance. Bon, peut-être qu'on aura un point de scénario, on verra bien. Boot up the register. Ready to receive. Mission report K731. Personal code FG9565061. Mission status completed. The material requested has been recovered. Of those involved, there's no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces of K's involvement. Hexacore Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in keen sight. Good job, sir. Accéder au terminal principal, où j'y étais. J'espère qu'ils n'ont pas fait une fin ouverte. Hein, parce que... Following materials archive. Evidence number 1. HAF4RG0 Delta surveillance footage. Archiver les preuves. Ok, donc la trahison de Liv. Infection du Sandman. Evidence number 2. Intercepted voice messages of Major Sandman Vulcan. Message vocaux. Voice message. Encryption code XDR 00035. Sarah, I would have liked to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. So this is it. The moment has arrived. You know, I told her that I'd do whatever it takes to protect her, and now I gotta prove just that. Prove it to myself, to you. But mostly prove it to her. My precious little angel, Samantha. In exactly 7 days, my man and I will be deployed to the Aegis labs to recover samples of Castor and Pollux. After which, you know what I have to do. Oh, I know what you're thinking right now. I know. So many innocent lives lost to save just one. But she's my baby girl. So listen up. I want you to leave Keen Sight, you and your Samuel, and get as far away from the city as possible. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. And even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because I've not only saved my daughter's life, but yours as well. I know you know what it means to truly love someone with every fiber of your being. And the choices you gotta make to hold on to that love, to be with that person and share one last day,
One last minute. One last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing Knight didn't step up and do something. Even if it means burning in hell for eternity. That should come easy compared to a living hell without her. Hope one day you can forgive me. But if you can't, saving Samantha will be enough. Bon. On a une pseudo-explication. Alors attendez, c'est pas encore fini. Il reste encore deux preuves. Enregistrement audio de Sarah pour Sam. Sam, sweetheart, I've been waiting for this day to come, wishing I didn't have to tell you the things you're about to hear. Yet, here goes nothing. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, the more difficult it becomes to explain. I should have waited for you to come home, to speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be too late. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life, too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people. The Kuronosu Company. I still don't understand how he could have done it. How anyone could have done it. Even him. Especially him. God damn you, Kuronosu! Hexacor, damn you both to hell! Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers. All of us. Sam, listen. What I wanted to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company. I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy, but I couldn't, and wasn't ready yet. I was afraid of how it might affect us. Sorry. 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 It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. You already know that I work for Hexacor, but what you don't know is that my job isn't limited to mere administration. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests. You. For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. The project is called Truman, and Keen Sight is one of the most illustrious testing zones, with Hexacor overseeing the whole shebang since the 40s. You, and hundreds of others like you, are the end result of these tests, and we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however, that it took very little effort for you to become the most important part for me, because I actually fell in love with you, and it wasn't just a job for me anymore. So when someone asks if I love my work, I tell them yes.
thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. There's somebody out there. Bon, on voit que finalement, cette petite Sarah n'est pas si innocente que prévu. En même temps, on se doutait bien qu'il n'allait pas y avoir un crime gratuit. Et la puce ID de Sarah. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va être un texte. 20 juin 91. Il y a 9 pages. J'ai enfin réussi, je suis enfin en charge d'un des projets de recherche les plus importants du pays. J'ai passé des années à perfectionner le projet Truman avec ses lèche-bottes à Hexacor, et plus longtemps encore à tenter de convaincre Murphy, ce vieux crouton de Washington, de me placer à la tête de l'opération. Dans leur esprit rétrograde, j'étais soit trop jeune, soit trop femme ou trop noire, mais au bout du compte, ils n'ont pu que reconnaître ma valeur. Pardon. 4 janvier 92. Je ne suis là que depuis quelques mois, mais je crois que je suis déjà parfaitement intégré à cette communauté rurale. J'ai parfois un peu de peine pour les habitants de Kinsight, ou plutôt devrais-je les appeler par leur vrai nom, les cobayes. D'autres fois, je les envie, j'aimerais partager leur façon de vivre simplement dans cette petite ville et les valeurs qui en découlent. Après tout, la Corporation fait le nécessaire pour qu'ils soient bien à l'abri sous leur cloche de verre géante, protégés de la souillure du monde extérieur. Je me plais à penser que j'ai joué un rôle dans la création de ce petit coin de paradis, à moins que ce ne soit un autre cercle de l'enfer, je n'en suis pas encore sûr. 3 juillet 93, la phase la plus délicate du projet Truman a officiellement commencé, du moins en ce qui concerne mon rôle actif sur le terrain. Tous les chercheurs en poste doivent avoir un contact régulier avec un des sujets pour le contrôler, et je ne fais pas exception. Au contraire, je dois me montrer l'exemple. Dans tous les cas, je rencontre demain mon sujet particulier à observer. Si je me fie au rapport, il est clair qu'il sera probablement la pièce maîtresse du projet. Je devrais observer un comportement irréprochable cette fois encore. En attendant, mon bras me démange depuis des jours. Ce n'est pas parce qu'on a implanté cette puce dans le bras de tout le monde que c'en est une bonne chose. Nous sommes des chercheurs, pas les cobayes pour lesquels le gouvernement a mis ce programme en place. Et là, ce sont les règles du jeu, je ne peux pas me défiler maintenant. 7 janvier 94. Mon Dieu, cela fait des années que je ne me suis pas senti aussi bien. Le projet Truman se déroule comme prévu. Les expériences également. J'ai du mal à contenir mon excitation suite aux travaux que j'ai réalisés avec mon sujet. Enfin, ceci n'est pas exactement un rapport officiel. Je peux dire que mon sujet, Sam, pour faire court, la personne que je devais suivre, que j'ai approché récemment, eh bien je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Je sais que je ne devrais pas m'attacher, mais la Corporation veut que je me rapproche. Et on ne peut pas contrôler ses sentiments, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à ça? 4 mai 94, suite au récent transfert de personnel hautement qualifié dans les nouveaux bureaux en haut du barrage, nous croisons sans cesse les hommes des unités spéciales d'Hexacor. Si les agents d'Hadès ressemblent à des machines de guerre, qui n'interagissent que rarement avec quiconque, n'est pas dans leur cercle, les pilotes de l'HAF ont l'air de gars tout à fait normaux malgré les tâches exigeantes que la Corporation leur confie souvent. Mais l'un d'eux en particulier semble attirer l'attention de toutes les femmes du bureau. Son nom est Hayden, mais tout le monde l'appelle Sandman depuis l'incident de Groom Lake. J'ignore comment il en est sorti vivant, j'aimerais bien en savoir plus. Septembre 94, Hayden, quel homme extraordinaire malgré les difficultés qu'il a affrontées. Je suis parvenu à le faire parler de son passé, j'ai découvert que sa femme l'avait quitté des années plus tôt car elle ne supportait plus le travail qu'il exerçait. Elle lui a même laissé la charge de leur fille unique, la petite Samantha. Je sens que je développe un lien avec cet homme. En fait, je ressens exactement la même chose qu'avec Sam. Comment vais-je pouvoir gérer ça? Seul le temps le dira. Je devrais probablement me concentrer sur mon travail, d'accord? 15 août 96, je pensais pouvoir gérer tout ça, mais en fait j'aimerais ne jamais avoir participé à ce merdier. Ça fait maintenant 4 ans que la Corporation m'a confié le projet Truman, mais on dirait bien que ça ne va pas se terminer comme je le pensais. Nous ne sommes pas venus ici pour améliorer la vie des gens, nous sommes venus pour tester des armes de destruction massive. Et pour couronner le tout, bien que nous ayons consacré notre vie à ces salauds d'Hexacor avec l'appui du gouvernement, ils ne lèveront pas le petit doigt pour nous aider. Aucun d'entre nous, Hayden, m'a dit que sa fille m'a contracté une terrible maladie et qu'il lui faut un traitement expérimental que la Corporation refuse de prendre en charge. C'est pour cette raison qu'il était si distant ces derniers mois. Je veux faire quelque chose pour l'aider, je me sentirai toujours proche de lui, toujours. En attendant, il y a eu au moins quelque chose de positif dans tout ça. Sam m'a demandé de l'épouser. Une lueur d'espoir dans toute cette obscurité qui m'entoure. Un rappel de ce que sont les choses réellement importantes dans la vie. Je sais désormais à qui m'appartient mon cœur et je lui consacrerai ma vie. Je dois faire mon travail du mieux possible afin qu'il se sente mieux.
28 mars 97, je n'arrive pas à y croire, Aiden m'a demandé de le retrouver à l'extérieur de la ville pour me révéler ses intentions. Le temps presse pour sauver sa fille et sa seule façon d'y parvenir est de commettre un acte si méprisable qu'il frôle l'abomination. Il apparaît que Kurunozu, donc le géant pharmaceutique international, promis à Aiden de sauver sa fille en échange de la destruction de centaines, voire de milliers de vies, ainsi que d'hexacords dans son ensemble. Donc il y avait deux sociétés pharmaceutiques en guerre, quoi. Pire, notre gouvernement sera ébranlé lorsque ce sera révélé la vérité sur les expériences menées sur la population américaine depuis des décennies. Il a complètement perdu la raison, rien, pas même la perte d'un être cher ne peut justifier une décision aussi stupide et irresponsable. Je suis certaine que ces salauds se servent de lui, mais je ne comprends pas pourquoi il ne s'en rend pas compte. Je dois le faire revenir à la raison, je suis sûr que ce ne sont que les paroles d'un père désespéré, mais s'il ne m'écoute pas, je devrais le signaler à la division des affaires internes de la Corporation, même si je pense que je ne pourrai plus me regarder en face après ça vu ce qu'ils lui feront subir. Enfin, 14 juillet 97, Aiden a quitté la base et a pris quelques jours de congé. Malheureusement, sa fille Samantha n'a pas survécu, son petit cœur a lâché il y a deux jours. Je suis triste pour lui, mais ça pourrait être un mal pour un bien, il n'a plus de raison de mettre en œuvre son plan machiavélique. D'après ce que j'ai compris, un long voyage d'attente pour rejoindre le centre médical où était soignée sa fille, mais je suis sûr qu'il reviendra bientôt, et je serai là pour le soutenir du mieux que je pourrai. Bon ben voilà, maintenant on a le point de vue des trois. Et Samantha, je suis sûr que c'est elle. Une pseudo-psychomantis. Voilà. Bon, bah, cette fois-ci, c'est bon. Hein. Je croyais que j'étais en mode normal. Je suis en mode facile. Je comprends plus rien, moi. Je suis persuadé d'avoir mis normal au début. Je suis même pas sûr qu'il y avait un mode facile. Bon, bah, voilà. Hein. 32 morts, dont le maximum à la fin. Hein. Sinon, je m'étais très, très bien sorti. Donc bah, je vais pas répéter ce que j'ai dit, hein, j'avais parlé du bestiaire aussi, donc il y a énormément de points faibles dans ce jeu-là, qui est dommage, hein, parce qu'ils partent sur de bonnes intentions, ils parlent plus sur un jeu nostalgique, mais le jeu est quand même plus vieux qu'il en a l'air au final, alors qu'il est sorti l'année dernière sur PC. Donc je vais pas y revenir dessus, hein, très très déçu, malgré que j'en attendais rien. Bon, le scénario remonte un tout petit peu avec les éléments qu'on a, avec un débriefing style Dino Crisis, hein, en mode un petit peu plus interactif, mais voilà, ça ne peut pas sauver un gameplay misérable avec un inventaire tout pourri, une carte sans raccourci dessus, des objets qui ne servent à rien pour la plupart en ce qui concerne l'endurance notamment, et puis le mode psychologique. Alors le mode psychologique permettrait potentiellement notamment à Sam de ne plus avoir autant de vision, mais franchement, les peu de balles qu'on se sert, ça sert à rien. Vous avez vu l'arsenal qui me restait avec Sam, c'est incongru, quoi. Il y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, quoi. Il y a trop de points faibles dans ce jeu-là. Et c'est dommage parce que, en dépit de ça, on a quand même un bel hommage à Resident Evil. On a une super bande son, je le redis encore. On a des très bonnes énigmes. Mais voilà, il y a tout un coulis de pas bon par-dessus, avec des personnages pas du tout charismatiques, avec un Sam, on sait pas trop ce qu'il veut, et ça manque de profondeur. Voilà, on a tous les éléments là à la fin dans le dossier, donc voilà, on a un chapitre 2 et 3 passables, mais sans aucune originalité, qui sont très bonnes dans en niveau ambiance par contre. Mais voilà, avec un chapitre 1 et 5, mais vraiment horrible, horrible, et un chapitre 4 qui est une pâle copie du 3, quoi, à l'envers. Voilà, la mode Devil May Cry, quoi. Voilà, et on a une bonne durée de vie, bien meilleure par contre qu'un Resident Evil 3 Remake. Voilà, avec énormément de références par contre positives à la pop culture, que ce soit Retour vers le futur, Terminator, Total Recall, je vous en ai sorti plein. Il y a même des jeux, hein, qu'on a pu voir, enfin bon, voilà. Il y a énormément de références, et voilà, donc bien essayé. Je suis sûr que si Capcom avait validé ce projet-là, potentiellement, il aurait pu faire, en travaillant plus, potentiellement, il aurait peut-être pu faire mieux que Resident Evil 3 Remake actuel. Et voilà, c'est dommage. C'était bien essayé, mais il a manqué du budget, une validation en amont du studio, et peut-être plus de développeurs, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont pas plus de 200 là, ils sont une dizaine je crois, hein. Donc on peut saluer quand même l'effet sur 10 personnes, bien que ça aurait été vraiment mieux s'il avait été peaufiné.
Voilà ce que je pouvais dire de ce démarre. Voilà, nickel. 98, on va faire un petit tour du côté des bonus. Je pense que je vais couper la dernière vidéo en deux. Alors c'est vrai qu'au début, bah, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait tirer sur les machins. Hein. Les premiers qu'on a attendus, j'étais certain que c'était une pièce secrète et qu'on allait y revenir plus tard. Il y a plusieurs casiers que je n'ai pas trouvé non plus les codes. Et je suis passé au travers de quelques... de quelques statuettes au début, quoi, hein, et puis aussi de quelques documents et pistes audio sur lesquels je suis passé au travers. Voilà, hein, maintenant le background est pas ouf non plus. On comprend les agissements de Sandman, on comprend les agissements de tout le monde à la fin. Maintenant, est-ce que ça vous provoque de l'émotion? Je suis pas sûr. Moi, personnellement, bon, au moins j'ai eu la perception de comprendre, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Le pauvre Sam, mais bon, bah voilà, quoi. C'est comme ça, et on n'aura certainement pas de suite à ce jeu, qui est une pâle copie de Resident Evil 2 et 3 Remake, un peu à la fois, mais quand vous voyez les images fixes que l'on peut voir dans les menus, bah on sent qu'il manque de la technique, quoi. Les graphismes sont passables, mais c'est pas au niveau d'une PS4, et surtout pas au niveau d'un jeu de 2019-2020. Voilà ce que je pouvais dire sur ce démarre 1998, donc le dernier épisode sera coupé en deux, hein. Vous verrez une cinématique en fondu au milieu de l'épisode que j'ai fait moi. Donc j'espère que ça vous a plu, j'imagine que vous êtes bien marrés pour ces deux derniers épisodes. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, faites-moi part de ce que vous en avez pensé de ce démarre 98, vous n'êtes peut-être pas du tout en accord avec moi et vous pensez peut-être que la version démarre 98 aurait été un meilleur Resident Evil. Moi je vous ai dit les points positifs, les quelques points positifs et les nombreux points négatifs. Et je serais ravi de débattre avec vous sur le sujet, sur la qualité de ce jeu-là, s'il avait été un petit peu plus travaillé et s'il avait été validé par Capcom. Voilà, allez, je vous quitte là-dessus et je vous dis à bientôt pour un prochain jeu. Allez, salut à tous !